Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Il est curé de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Macamic et de quelques autres paroisses environnantes également. Il vient nous parler de son cheminement et d'une année spéciale qui a débuté en juin 2009 pour se terminer en juin 2010. Cette année spéciale a été décrétée par le pape Benoît XVI. Alors, mesdames et messieurs, monsieur le curé de Macamic, monsieur Léandre Lapointe. Monsieur le curé, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, parce que dans l'émission On s'en parle, on touche à toutes sortes de sujets, que ce soit la classe politique, que ce soit... on y va avec la religion, que je reçois ici, Monseigneur Tremblay, régulièrement. Il se fait toujours un devoir de venir ici à cette émission-là. On touche le domaine culturel, on touche différents sujets. Et j'aime ça de recevoir des gens qui viennent dire leur cheminement. Parce que c'est beau dire, bon, c'est le curé de telle paroisse, c'est le curé de telle ville, mais on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas son cheminement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il entend faire dans le futur également. Moi, j'aimerais ça, M. le curé, si en débutant, on y allait là, avec vos origines, votre cheminement. Il faut aller quand même assez brièvement parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser. Mais si je vous laissais aller un peu avec votre cheminement d'hier à aujourd'hui, tiens. D'accord. Alors, dans un premier temps, bon, je suis natif de Beauceville, dans la Beauce, une petite ville de 6500 habitants. Mm-hmm. Je viens d'une famille de 6 enfants, 4 garçons, 2 filles. Je suis l'avant-dernier des 6. Chez nous, on est une famille très chrétienne aussi, une famille où on a été élevé dans la religion catholique. Et nous, les messes, la fin de semaine, on y allait. Pour nous, ça faisait partie de notre éducation familiale. Nous étions chez nous aussi des commerçants. On avait des commerces également chez nous, donc habitués d'être au public aussi. Et puis, déjà très, très jeune, déjà à l'âge de 10 ans, je me sentais déjà interpellé à être prêtre. Mais à l'époque, je pensais toujours à prêtre missionnaire, c'est-à-dire missionnaire dans le sens en Afrique, en Amérique latine et tout. Et puis, au fil des années, pour faire une histoire courte, là, j'ai senti davantage l'appel à être missionnaire, mais au Québec, lorsque je suis, et dans un diocèse qui avait beaucoup de besoins aussi du temps. De telle sorte que, après avoir travaillé 6 ans et demi, dans le milieu forestier. J'ai travaillé dans un moulin ici à Beauceville. Je suis entré au grand séminaire et j'ai fait mes années de formation, une année propédeutique, une année avant de faire le baccalauréat. Et par la suite, 3 ans de bac, 3 années de stage. Donc, j'ai fait 2 ans à la SAR. 91-92, j'étais stagiaire à la SAR. Par la suite, je suis allé à Val-d'Or aussi, compléter un stage de 3 ans pour terminer par la suite mes études universitaires et revenir en région. Qu'est-ce qui vous a incité à venir en Abitibi alors que vous auriez pu aussi bien exercer, est-ce qu'on peut dire, ce métier-là, vous auriez pu le faire dans votre belle Beauce natale? Absolument. C'est la question que plusieurs gens dans Beauce, d'ailleurs, m'ont posée. Qu'est-ce qui t'amène, Léandre, à aller en Abitibi? Je viens juste de vous dire que j'ai travaillé dans le milieu forestier. Alors déjà ici, je me sentais déjà chez moi. Vous étiez dans le même milieu. Voilà, ça c'est un élément qui est important. Oui. Le deuxième élément, c'est que je viens d'un milieu régional. Alors, dans une région, ici aussi dans une région, oui, dont j'ai retrouvé ici l'aspect accueillant des gens des régions, la fraternité des gens, les milieux, les petits milieux. Ça, je me sentais confortable, je me sentais chez moi en venant ici. Et un autre élément que j'ajouterais, ce serait le fait qu'il y avait aussi des besoins de prêtres aussi dans le diocèse d'Amos à l'époque, fin des années 80. Mm-hmm. Alors, il y avait déjà des besoins qui se manifestaient et Mgr Drainville, c'était avec joie qu'il m'avait accueilli pour entreprendre ce projet-là. Quel parallèle, parce que là, vous avez touché le secteur forestier entre la Beauce et l'Abitibi, mais ce sont deux régions qui se ressemblent. Mm-hmm.
Oui, deux régions qui se ressemblent, mais qui, c'est surtout au niveau, je dirais, de la relève des prêtres. Vous savez que dans la Beauce, il y a plusieurs enfants de la Beauce qui ont été ordonnés prêtres. Si je prends simplement ma paroisse natale, à Beauceville, j'ai été le 60e enfant de la paroisse à être ordonné prêtre. C'est sans compter Mon les Dieu. religieux, religieuses, là, les frères, les sœurs et tout, là, d'autres vocations religieuses. Alors, vous voyez un peu, là, il y a comme une Oui, pépinière, si je peux exactement. l'exprimer Oui, ainsi, oui. là, au niveau des vocations, ce qu'on retrouve moins ici. C'est vrai. Alors, donc, il y avait tout C'est ce... vrai. Puis, souvenez-vous aussi que je viens de vous dire, c'est tout l'aspect missionnaire également qui est à l'intérieur de ce choix-là aussi. Monsieur le curé, juin 2009, le pape Benoît XVI a décrété l'année sacerdotale. C'est quoi exactement? Premièrement, pourquoi un pape décrète une année comme ça, et pourquoi ce thème-là? OK. L'année sacerdotale que le pape Benoît XVI, Saint-Père, a décrété en juin 2009, sacerdotale dans le sens de promotion aussi de la vocation religieuse et sacerdotale. Surtout sacerdotale. Et ici, les évêques au Québec ont fait une nuance en parlant davantage d'une année presbytérale. Donc, davantage axée sur le prêtre et la vocation à la prêtrise. Et cette année, Benoît XVI l'a mis aussi sous le patronage, bien sûr, du patron des prêtres, qui est le Saint-Curé d'Ars, qui a vécu de 1786 à 1859, là. Alors donc, c'est un saint homme qui est le curé qui a œuvré à Ars, Oui, exactement. Saint-Jean-Marie Vianney, et c'est sous ce patronage-là que Benoît XVI l'a mis cette année. Donc davantage l'accent sur le prêtre d'aujourd'hui et surtout la mise en place d'interpellation, de projets d'interpellation à la vocation sacerdotale. Qu'est-ce que ça recommande chez les prêtres? On va parler ici, là, au Québec. On pourrait parler des prêtres dans le monde entier, parce que le pape est quand même est le pape du monde entier, Oui. même si c'est dans une religion donnée. Mais qu'est-ce que ça donne aux prêtres, disons, du Québec d'avoir une telle année? Est-ce qu'on va mettre l'accent beaucoup plus sur le thème? Est-ce qu'on va en parler plus que n'importe quel autre sujet? Est-ce que vous avez des directives sur ça qui peuvent venir du Vatican, de Saint-Pierre de Rome? C'est-à-dire que lorsque le Saint-Père décrète une année comme celle sacerdotale, celle de cette année, les évêques ont aussi à appuyer, je dirais, cette mise en place de cette année et de telle sorte d'en faire la promotion dans leurs diocèses respectifs. Comme Monseigneur Tremblay, par exemple, dans le journal diocésain, il va écrire depuis qu'il a commencé cette année des articles sur le ministère du prêtre, sur le cheminement du jeune ou du candidat à la prêtrise. Moi, dans mes paroisses aussi, j'en parle. J'ai des activités de pastorale qui vont commencer bientôt sur la prière, la réflexion et le partage sur le sacerdoce aujourd'hui et quel est le prêtre finalement aujourd'hui en 2010. Si on regarde un peu tout ça, on sait que la population chez les prêtres, elle est vieillissante. Il y a de plus en plus de prêtres qui ont de la difficulté à faire aller comme ils voudraient aller dans leur paroisse. L'ancien curé de Macamic, le curé Al, qui est décédé juste avant Noël, était un prêtre quand même assez âgé. Vous me paraissez qu'il est tout jeune encore, vous. Merci. Est-ce qu'on s'en va vers... ça va donner quoi, là, disons, on commence une décennie, là, en 2010, là. On est capable de faire face à ça. Est-ce que les diocèses sont prêts à faire face aux prêtres qui vont devenir de plus en plus rares? Si on parle, mettons, comme semblait un petit peu avancer l'avenir de l'Église, là où Oui, on c'est un peu s'en va au ça, niveau de l'avenir oui. de l'Église, Monsieur Lacasse, je vous dirais peut-être ceci. D'abord, c'est sûr qu'il y a une décroissance, hein, au niveau des gens qui viennent à l'Église. C'est sûr qu'il y a un déclin. Les ressources financières et humaines sont très pauvres dans notre Église. Si j'entends par exemple comme l'Église diocésaine d'Amos. Par ailleurs,
Une église, monsieur Lacasse, ça ne meurt pas. Ça change d'adresse. C'est-à-dire que là où elle n'a plus sa place, elle change, elle se déplace. OK? Et que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau diocésain, l'Église ne meurt jamais. Elle change toujours d'adresse. Par exemple, s'il y a une paroisse qui a fermé, parce que pour toutes sortes de raisons, et que la communauté prend conscience qu'il n'y a plus une communauté vivante, une communauté chrétienne vivante, eh bien, ceux qui sont là, le petit groupe qui reste, vont tout simplement s'en aller se joindre à une autre communauté. Donc, elle change d'adresse, mais elle ne meurt pas. Et ça, c'est important. Alors, je vous dirais que actuellement au Québec, on voit beaucoup de regroupements de paroisses. Ça, on voit ça beaucoup. Oui. Des regroupements de paroisses, des paroisses qui s'unifient, etc. Et c'est ce que nos évêques québécois cherchent à faire le plus possible, à gérer, je dirais, cette décroissance. Et c'est pas facile pour eux. C'est tout un défi pour eux. Puis en même temps, je vous dirais que actuellement, on sent pas que dans ces regroupements-là un souffle missionnaire. Un vent d'avenir. On sent davantage comme si on déplaçait des meubles ici et là. On les place là, on les prend là, on les déplace là, on les regroupe ensemble et ça finit là. On a besoin, moi je vous dirais aujourd'hui comme prêtre, je vous dirais, on a parlé longtemps de l'inculturation de la foi dans la société. C'est très bien que la foi s'ajuste à la culture du milieu, mais je pense qu'il serait temps peut-être aujourd'hui de parler davantage de l'inculturation de l'espérance. Apporter de l'espérance chrétienne à travers les espoirs intramondains de notre société. De telle sorte que cette espérance chrétienne-là puisse être annoncée et vécue également. Donc, un prêtre, un homme d'espérance. Donc, ma prochaine question, M. le curé, c'est quel est le rôle du prêtre dans le monde d'aujourd'hui et est-ce que ce rôle-là a beaucoup changé depuis une ou deux décennies? Je vous dirais, M. Lacasse, que d'abord, le rôle premier du prêtre, c'est l'annonce de la parole de Dieu. Ça n'a jamais changé. Okay? C'est toujours resté, c'est le rôle premier du prêtre d'être, je vous dirais, semeur de la parole de Dieu. Et de la semence de la parole de Dieu, il n'en manque jamais. Okay? Donc, le prêtre ne manque pas de semences. C'est sa vie qui est consacrée à semer la parole de Dieu. Les moyens, par ailleurs, sont différents depuis 10, 15, 20, 25 ans. On va utiliser les médias d'aujourd'hui, l'Église va utiliser les médias d'aujourd'hui. Ils ont des sites Internet à Rome. Je suis avec vous aujourd'hui dans votre studio. Bon, il y a différents moyens de communication que l'Église utilise maintenant aujourd'hui. C'est certain que ça a changé, mais la fonction première du prêtre reste toujours de semer la parole de Dieu. Selon vous, si je vous demandais quelle était la plus grande joie et la plus grande souffrance du prêtre aujourd'hui, moi, là, cette question-là, je l'aime en ce sens que on vise les prêtres, on sait qu'il y a eu des scandales avec les prêtres. J'aime pas dire ça, parce que des scandales, j'aime pas viser les prêtres avec ça, parce que les scandales, il y en a partout. Il y en a partout dans toutes les couches de la société. Sauf que là, j'ai devant moi un prêtre et on sait que dans l'Église, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a des prêtres aujourd'hui, de vieux prêtres qui ont avoué avoir fait des torts immenses à des enfants. Comment vous prenez ça aujourd'hui? Si on parle simplement des orphelins de Duplessis, le cardinal Turcotte a toujours refusé de dire que c'était vrai quand tout le monde le dit. Comment vous, face à ces prêtres-là, vous voyez la prêtrise aujourd'hui? Est-ce que vous avez un œil différent ou bien non? Si on n'aurait jamais su ce qui s'est passé avec ces prêtres-là, votre donnée n'aurait pas changé versus ce que vous savez aujourd'hui? D'abord, je vous dirais, M. Lacasse, que toute forme d'agression ou d'abus quelconque fait toujours mal à l'Église. Ça, c'est sûr. Et fait mal à la société également, tout entière. Et ça, moi, quand j'entends ce type de réalité-là que vous soulevez, j'ai toujours mal à mon Église. Toujours mal à mon Église. Maintenant, vous savez que, et peut-être sans doute Mgr Tremblay vous en a parlé aussi lors de son passage à votre studio, tolérance zéro dans l'Église à l'égard de ces gestes-là. Tolérance zéro. Et accompagnement et du prêtre,
qui a vécu, qui a fait vivre à l'enfant ces types d'agressions et l'accompagnement des membres de la famille. Oui. Et c'est très important d'accompagner les deux parties à l'intérieur de cette souffrance-là. Oui. C'est sûr. Maintenant, c'est tolérance zéro dans notre Église et on fait tout en sorte. Et d'ailleurs, au grand séminaire aussi, dans la formation, ils tiennent compte beaucoup de cette réalité-là. Et dans le cheminement du candidat aussi au sacerdoce, à la prêtrise, les formateurs, formatrices en sont très pleinement conscients. Hein. Alors, je reviens à ma question, M. le curé, c'est que, selon vous, quelle est la plus grande joie et la plus grande souffrance du prêtre aujourd'hui? Moi, je vous dirais, M. Lacasse, que je vais commencer par la plus grande souffrance du prêtre aujourd'hui. Je ne peux pas répondre personnellement pour tous mes confrères, non, parce qu'on a tous des réalités paroissiales, oui, parfois différentes, exactement, mais des fois aussi qui sont similaires également entre confrères. Je vous dirais, c'est peut-être le manque d'espérance. Le manque d'espérance vis-à-vis un nouveau visage de l'Église qui est en train de naître. Et c'est pas évident, et ça joue indépendamment de l'âge que nous avons, l'état de santé que nous avons également, les expériences de vie que nous avons également. J'ai des confrères qui ont une très large expérience dans le ministère, vous savez. Et moi, je pense qu'en général, on a besoin d'espérance dans l'Église. Je reviens souvent dans l'entrevue avec vous là-dessus parce que ça me paraît très important pour l'avenir de l'Église. Et ce manque d'espérance-là crée parfois des peurs. Et saint Paul dit dans sa deuxième lettre à Timothée que Dieu nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Donc, ces peurs-là vont souvent engendrer des décisions pastorales qui se généralisent, qui veulent s'uniformiser. Mais je pense que dans l'espérance, il nous faut une espérance courageuse et créatrice dans l'Église, avec des petits projets d'espérance qui sont mis en place selon les capacités, les moyens que nous avons dans nos paroisses. Votre question, M. Lacasse, la plus grande joie du prêtre aujourd'hui, moi, je vous dirais que lorsque le prêtre découvre et prend conscience du cheminement de foi des gens qui lui sont confiés, des gens engagés dans leur foi, puis profondément engagés, des gens qui prient, qui sont des grands priants, des gens qui reviennent à l'Église et qui recommencent à célébrer leur foi et des gens qui sont engagés aussi dans leur milieu de vie et qui font du bien autour d'eux, des enfants qui sont éduqués dans la foi chrétienne, tous des moments de consolation pour le prêtre aussi. Alors, faut pas oublier que le prêtre est d'abord et avant tout un homme de prière. Oui. L'Église a connu un creux immense, surtout au début des années, je dirais 80, là, environ. Là. Est-ce que vous sentez aujourd'hui, à l'aube d'une nouvelle décennie, est-ce que vous sentez aujourd'hui que surtout les jeunes commencent à revenir à l'Église, un petit peu plus du moins qu'il y a peut-être deux décennies passées? On s'aperçoit que, comme confrères, on s'en parle aussi à l'occasion, que les jeunes qui se présentent, par exemple, pour demander le mariage dans leur couple, vivre ce sacrement du mariage, sont pas du tout les mêmes qu'il y a 20, 25 ou 30 ans. D'ailleurs, mes confrères qui ont plus d'expérience que moi pourraient vous le dire encore beaucoup plus aussi. Par ailleurs, c'est vrai que les jeunes n'ont pas du tout la même éducation chrétienne comme vous et moi, par exemple. Beaucoup, beaucoup, je dirais, à faire découvrir à cette génération sur l'Église, sur l'amour de l'Église, sur la foi, sur l'enseignement de l'Église également. Alors, on a besoin vraiment d'une Église de plus en plus missionnaire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'Église ne meurt pas, mais elle change d'adresse. Alors, elle aura pignon sur rue à quel endroit l'Église demain? Alors, moi, je crois vraiment que plus elle sera missionnaire et plus elle sera à genoux dans le monde d'aujourd'hui, plus elle pourra faire connaître le Dieu de Jésus-Christ. Monsieur le curé, si moi j'aimerais vous parler des sacrements. On va commencer par le tout premier, qui est le sacrement du baptême. Mm-hmm. Le sacrement du baptême aujourd'hui est-il, c'est peut-être une question bizarre un peu, vous allez dire, il veut en venir où, mais est-ce que le sacrement du baptême aujourd'hui est aussi en demande qu'il y a 25, 30, 40 ans passés, en ce sens, est-ce qu'il est aussi obligatoire en 2010 qu'il ne l'était en 1950?
Je veux en venir à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, une personne qui n'est pas baptisée est rejetée par l'Église? Non, la personne qui n'est pas baptisée n'est pas rejetée par l'Église. D'abord, la personne qui n'est pas baptisée, il ne faut pas perdre de vue qu'elle est un enfant de Dieu. OK. En se faisant baptiser, elle devient un membre de notre Église, mais elle est toujours un enfant de Dieu. Alors ça, je pense que c'est important également d'en faire mention. Toutefois, aujourd'hui, les familles, les couples vont attendre beaucoup plus longtemps avant de faire baptiser leur enfant. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel, c'est une décision personnelle, mais c'est une décision personnelle dans laquelle décision on retrouve un sens à la foi et un geste d'amour à l'égard de leur enfant, et qui devient par conséquent, dans notre Église, un événement d'Église. C'est un baptême. Alors, donc, les parents aujourd'hui le choisissent selon là où ils sont rendus dans leur cheminement de vie. Mais c'est important de les aider à grandir dans cette recherche de la foi, dans cette décision, je dirais, d'amour et de foi qu'ils ont prise de faire baptiser leur enfant. Alors, mais on les accompagne. C'est une étape, hein? C'est un accueil, un baptême, hein? C'est un premier geste d'amour et de foi que Dieu pose aussi à l'égard des membres. Ça veut dire qu'un enfant qui n'est pas baptisé face à l'Église a les mêmes droits que l'enfant qui est baptisé? Je n'irais pas du côté de droit ou de droit ou pas droit. Okay. Je vous dirais davantage de l'accueil. Okay. L'accueil de cette personne qui est un enfant de Dieu. Elle est un enfant de Dieu comme vous et moi. Okay. Mais quand elle se fait baptiser, elle devient un membre de notre Église. Hein? Saint Paul veut dire que l'Église est un corps dont le Christ en est la tête. Alors, à ce moment-là, elle fait partie maintenant d'une Église, d'une religion, et il y a un enseignement, il y a un cheminement, après ça vient d'autres sacrements d'initiation à la vie chrétienne, qui d'ailleurs est commencé à se donner en paroisse, au niveau des catéchèses pastorales, exactement, paroissiales. J'aimerais aller du côté du sacrement du pardon. Dites-moi une chose, M. le curé. D'abord, pour aller communier, nous devons être supposément en état de grâce. Mm-hmm. Bon. Il y a le sacrement du pardon où on va dire nos péchés, que le prêtre va nous pardonner, absoudre nos péchés, et après ça, on peut aller communier. Là, je me rapporte à plusieurs décennies passées. Quelle différence y a-t-il entre aller dire nos péchés au prêtre, si on peut s'exprimer ainsi, et avant la communion, demander pardon à Jésus, lui dire « Seigneur, si je vous ai offensé, je m'en excuse, je vous demande pardon. » Est-ce que c'est la même chose? Moi, je vous dirais, d'abord, ce que notre Église nous enseigne, c'est, comme on disait jadis, et c'est encore cela, faire ses Pâques une fois l'an. Hein? Faire ses Pâques, c'était vivre le sacrement du pardon et aller communier. Et c'est encore ça aujourd'hui, hein? Vous savez. Si on n'en fait rien qu'un des deux. Si on n'en fait seulement qu'un oui. des deux, vous voulez dire? Bien, c'est que si la personne va seulement à la messe pour Pâques, mais ne va pas recevoir le sacrement du pardon, est-ce que ces Pâques sont faites? Est-ce que les personnes sont tous pareilles dans le monde d'aujourd'hui? Nous, on écrit de gauche à droite, les Arabes écrivent de droite à gauche, puis les Chinois de haut en bas. Qui oui. a raison? Alors, c'est dans le sens que, moi, je vous dis, ce qui est important de saisir, c'est toujours le cheminement de la personne. OK? Vivre le sacrement du pardon, M. Lacar, ça suppose un acte de foi. Il faut avoir foi en la miséricorde de Dieu. Il faut aussi aimer le Seigneur et le connaître. Aussi. Vous n'irez pas demander pardon à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais parlé, vous n'avez jamais rencontré de votre vie. Hein? Mm-hmm. Alors ça, il faut s'entendre également avec ça. Maintenant, il n'y a pas un qui est rendu au même cheminement dans la foi. Alors, on ne peut pas, comme je vous disais tantôt, si on veut garder un peu d'espérance, si on entre dans des peurs, si vous m'emmenez dans des peurs, peur d'excommunier, peur de... Moi, je vous dis que l'Église de demain, ce n'est pas une Église de peur, c'est une Église d'espérance qu'on doit construire. Alors, une Église d'espérance, ça se construit au fur et à mesure dans le cheminement des personnes. Et le prêtre a à être un homme d'espérance et accompagner les gens. Il n'est pas à arriver avec les lois et dire, voici, tu es sanctionné, toi, tu es correct, toi, tu n'es pas correct. C'est pas ça, l'Église. C'est pas ça, l'Église. Et l'Église que peut-être vous faites référence il y a plusieurs années, c'est pas une Église que j'ai connue. J'étais pas au monde. Okay. Je veux pas vous insulter, M. Lacasse, mais j'étais pas au monde dans cette Église-là. Pas. Mais je comprends qu'il y a eu sans doute différentes orientations pastorales. C'est donc dire, M. Curé, si on revient dans ça, faire Église autrement, c'est ça. Absolument.
Absolument. Parce que l'abbé Gaudreau a écrit un livre Absolument. Que j'ai reçu ici en entrevue, que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. L'abbé Gaudreau a écrit un livre qui s'appelle « Faire l'Église autrement ». Et c'est exactement ce que l'on parle là actuellement. Absolument. Absolument. Faire l'Église autrement, ça ne veut pas dire là, tout fermer les lieux de culte, là, non, dire là, tout est fini. On conserve nos lieux de culte, on garde, je reviens toujours à l'élément espérance. Vous savez, dans les vertus théologales, vous avez la foi, l'espérance et la charité. Oui, la charité, hein? Oui. Pourquoi l'espérance est au milieu? Parce qu'elle tient la main de la foi et de la charité. Elle est centrale, l'espérance. Je n'avais jamais vu ça de même. Si on ne va pas chercher mm-hmm. l'espérance dans le monde d'aujourd'hui, qu'allons-nous annoncer? Est-ce que Jésus n'a pas annoncé l'espérance au monde? Est-ce qu'il n'a pas apporté une espérance? Est-ce qu'il n'est pas ressuscité pour donner l'espérance chrétienne aux gens aussi? Il est mort et ressuscité pour nous, par amour pour nous. Mais l'espérance a toujours été là. Il a toujours donné espérance à toutes les personnes qu'il a guéries dans sa vie. Mm-hmm. Alors, le prêtre doit être un homme d'espérance. Mais pour être un homme d'espérance, il faut se faire proche des gens. Mais on n'a pas la même façon d'approcher les gens, les prêtres. C'est ça la beauté et la richesse de notre Église. Chaque prêtre, il va selon ses capacités, ses moyens et ce qu'il a, selon son charisme aussi, ses talents. Est-ce que vous seriez pour le mariage des prêtres? Moi, je vous dirais que c'est pas question d'être pour ou contre. OK? Avec ce que l'on vit aujourd'hui, dans la société dans laquelle on se trouve actuellement, moi, j'y vais toujours selon ce que l'Église nous enseigne. Quand je suis rentré au grand séminaire, il y a toujours deux discernements que l'on fait. OK? Le premier discernement, est-ce que j'ai vraiment la vocation sacerdotale? Est-ce que je suis appelé à devenir prêtre? Et le deuxième discernement que l'on fait, qui est tout aussi important, est-ce que je suis appelé à vivre le célibat selon ce que l'Église nous enseigne? Est-ce qu'elle nous demande aussi? Bon, célibat, c'est une autre façon d'aimer, vous savez. Mm-hmm. Moi, je me souviens quand j'étais en pastoral scolaire à Val-d'Or, à la Polyvalente, j'avais rencontré un groupe de secondaire 4 avant d'être ordonné prêtre. Puis il y avait une fille dans le groupe qui lève la main, puis elle dit, « Ouais, mais elle dit, Léandre, dis-toi, si je comprends bien, tu n'auras jamais de femme là, dans ta vie, là. Tu ne te marieras pas. » là. Et moi, j'avais répondu, j'ai dit, « Tu sais, quand on se marie, quand un homme et une femme se marient, ils referment les bras, les deux bras, l'un sur l'autre. Il y a un amour exclusif qui est choisi. Il y a un engagement de fidélité qui est donné, etc., etc. » Mais j'ai dit, le prêtre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il accueille les bras, dans ses bras, les bras grands ouverts, tout le monde, mais il les referme sur personne. Il dit, regarde le Christ en croix. Il accueille tout le monde, les bras grands ouverts, puis il referme sur personne. Mmh. C'est sa façon d'aimer. Alors, quand je suis au grand séminaire et que je fais ce discernement-là, vocationnel, je peux arriver à être... Je suis appelé à devenir prêtre, je ne suis pas appelé à être célibataire, mais être célibataire est une autre façon d'aimer comme le Christ nous a aimés. Monsieur le curé, il me reste une question à vous poser, parce que le temps manque, mais je tiens à vous la poser. C'est que vous êtes en audience privée avec Benoît XVI. Vous avez seulement qu'une question à lui poser. Ce serait laquelle? Est-ce que, Saint-Père, vous trouvez que votre Église, qui vous est confiée par le Christ, grandit aujourd'hui, partout dans le monde? Quelle est l'espérance que vous aimeriez lui donner dans le monde, avec l'amour que vous avez pour votre Église? Ce serait une excellente question, M. le curé. Je vous remercie infiniment. C'était très agréable. Puis c'est la première fois que vous passez à mon émission, mais je souhaite que ce ne soit pas la dernière. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et on se rend rendez-vous à une prochaine émission dont on s'en parle. Au revoir et bonne semaine.